Bonsoir les gars, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Dans cette vidéo je vous montre une astuce qui m'a vraiment efficace à faire pour les amateurs de jeu ou bien pour les gens qui reprennent le jeu et tout, donc ils savent pas quoi faire et tout. Donc les gars, vraiment efficace. Bon, tu vas pas faire beaucoup de kamas, genre 1 milliard de kamas, mais tu peux faire quelques kamas pour commencer le jeu et tout et abonner. Et voilà les gars, donc voilà, je vous montre mes kamas, pardon. J'ai 1 million sur moi. Bon, c'est pas beaucoup les gars. On va faire des astuces kamas qui coûtent pas cher. Voilà, on va commencer tout de suite. Franchement les gars, on va faire la première astuce les gars, c'est l'astuce des trophées niveau 50. Pourquoi ça part très bien? Parce que pour crafter un trophée niveau 100, tu dois crafter un trophée niveau 50 pour crafter le trophée niveau 100. Donc voilà les gars, les gens souvent, franchement ils ont la flemme, donc ils achètent directement le trophée niveau 50 pour crafter le trophée niveau 100. Voilà, j'espère que tu as compris. C'est facile. De toute façon, je vous montre rapidement. Attendez, les gars, voilà, trophée. Allez. Par exemple, les gars, je vous montre un exemple. Voilà, chanson mineure, les gars, ça coûte 45 000 kamas. Voilà, regardez, recette. Voilà, pour crafter un chanceux, tu dois crafter un chanceux mineur. Donc les gens souvent, franchement les joueurs de Dofus, ils ont trop la flamme. Moi perso les gars, j'ai vraiment la flamme pour crafter ça, après ça, après ça, voilà. Donc j'achète directement chanceux mineur pour crafter un petit chanceux. Donc voilà, c'est la première astuce qui m'a vraiment efficace les gars à faire quand tu commences le jeu et tout. Voilà, je vous montre, tu gagnes pas beaucoup de kamas, mais voilà, tu peux commencer et tout. Donc le craft, c'est aller même pas aller 4000 kamas, 9000, 30000, 9000. Bon les gars, on va faire genre 6000 kamas, mais c'est pas rentable. On va changer le trophée. J'ai choisi ce trophée là juste pour montrer un exemple. Voilà, donc on va chercher un autre rentable. Par exemple, cascadeur, 40000 kamas. Le craft c'est pareil je crois. Le craft c'est tout pareil. Donc c'est pas rentable ça, 8000. Non les gars, c'est pas rentable. On va chercher un autre. Les dommages et tout, ça part très bien. Par exemple, les dommages poussés et tout, ça part très bien. Voilà, regardez, 70 000 et ça part très bien. Donc, on va checker la recette, 30 000, 32, 35, 40. Voilà les gars, 40 et on va faire genre 28 000 kamas. Tu payes 40 000 et tu fais 28 000 kamas. Très rentable. Donc on va noter ça, on va crafter ça, on va checker d'autres. Par exemple, astucieux mineur, ça part, j'ai déjà vendu à l'époque, donc on va le tester. 30 000 kamas, 32 000, 35, c'est pareil je crois, 35, 40 000. Voilà les gars, 41 000 et on va faire 13 000 kamas ou bien 12 000 kamas. Franchement, c'est rentable, on va le faire. On a quoi d'autre? On attaque? Non, ça part pas très bien. Est-ce que les Ocrap, je ne sais pas quoi, mineur? Non. C'est quoi ça, cavalier mineur, les 6 FPM? Non, ça part pas. Déserteur mineur, non. Ça, à mon avis, ça part, mais c'est un petit peu long, les gars. Mais ça part, j'ai déjà vendu. Je crois, non. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Voilà, les gars, 100 000 kamas. Le craft, c'est combien? Le craft, 12 000. Oh, ça coûte cher. Hein? 12 000, 40 000, 40... Allez, 45 000. 45 plus 48, 62. Non, c'est pas rentable les gars. Non, ça ce n'est pas rentable. On va passer
85 recettes. Oh, ça coûte cher, ça. Ça, c'est très rentable, mais à mon avis, les gars, on doit changer le prix chaque fois, donc ça a l'air un petit peu cher, mais on va tester. On fait genre 50 000 commandes de B9, pourquoi pas? Il y a toujours, franchement, les gars, il y a toujours les gens qui ont la flemme, donc, ou bien, ils sont riches, les gars, ils achètent directement sans compter. Voilà. On a quoi? Dévastateur Terre, non. Énergie mineure, ça part, les gars, ça part. Donc, ça, c'est rentable, à mon avis. Ça, déjà, c'est 30 000. 6 000. 35 000. 38 000. 38 000. Allez, 40 000, les gars. On fait 14 000 kamas. C'est rentable quand même. Tu fais quelques kamas gauche et droite. Franchement, pour commencer, c'est très très bien. On a héros des mineurs. Aussi, ça part. C'est rentable. Attendez, les gars, il est où? Juste un petit truc. Voilà. 64, c'est cher. Hein? À mon avis, il y a une ressource qui coûte cher là-dessus. Ah, bah non. Non, c'est pareil, les gars. Donc, on va les crafter. Ça coûte cher. On va faire genre 24 000 kamas de B9 ou bien plus. J'ai la flemme de compter, mais c'est à peu près ça, 24 000 kamas. Je pense. Oui, miracle mineur, ça part aussi. Donc, on va checker la recette rapidement. 7 000. À mon avis, c'est rentable. On va faire genre 14 000 kamas de B9. Donc, on va le refaire. On va le faire, pardon. Donc, voilà, les gars. C'est tout pour les trophées qui partent très très bien. Les autres, ça part, mais c'est un petit peu long. Donc, on va faire ça, les gars, pour la première astuce. Donc, je vais crafter tout ça et on se retrouve après. Voilà les gars, j'ai crafté les 6 trophées de 4-6. Voilà, allez, on va check combien de B9 on va faire. Le craft m'a coûté 250 000, je crois. Attendez les gars, on va checker ça rapidement. Voilà, j'avais 1 million sur moi, donc il me reste 746K. Donc, allez, c'est à peu près 250 000 kamas le craft. Donc j'espère on va avoir beaucoup de B9. Enfin, ça dépend. On n'a pas payé beaucoup, pardon. Donc on va pas avoir beaucoup, genre beaucoup de B9. Voilà. Je sors la calculatrice rapidement. Allez, merci, merci. Il y a beaucoup de monde. Comme d'habitude, ça lag. Désolé les gars. Donc, attendez, on va enlever ça. Donc, 60 000 pour ça, plus, ça c'est combien? Ça, 64 000 kamas, plus 64 000 kamas, plus, ça c'est combien les gars? 55 000 kamas, 55 000 kamas, plus, ça c'est combien? Ou 85 000 kamas, plus 80. 5 000 kamas, voilà, plus ça c'est combien? Ça, 68 000 kamas, plus 68 000 kamas, plus astucieux mineur, c'est 55 000 kamas, plus 55 000 kamas. Donc, moins 250 000 kamas de craft. On va faire, les gars, 130 000 kamas. Franchement, c'est vraiment cool. Sachant que on a payé 250 000 kamas et on a fait 100, allez, on va dire 140 000 kamas. Franchement, très, très, très bon B9. Très, très bon astuce kamas pour les gens qui débutent le jeu ou bien qui reprennent le jeu et tout. Donc, tu peux faire ça, les gars. Ça part très, très bien. Il n'y a pas de problème. Comme je disais, dans la première vidéo, ou bien les gens, franchement, ils ont trop la flemme, donc ils vont acheter ça directement. Et pour crafter les trophées niveau 100 et tout, donc franchement, fais cette astuce Kama, ça part très très bien, y a pas de problème. Donc les gars, voilà pour l'astuce Kama. Maintenant,
On va passer au tirage au sort. Je vous rappelle, c'est 500 Mikama à gagner sur le serveur Télésia. Donc, allez, on se retrouve juste après. Wesh les gars, c'est le moment du tirage au sort. Donc, on a 13 participants. On a Reader Alter, Goldie Sword, Postage AX comme d'habitude, Totor Portal, Coplamine, Copie de Feu, Nayafé, blablabla. Et les autres les gars, regardez bien vos noms. Donc on va s'arrêter de blabla et on lance directement le tirage au sort. Je vous rappelle, c'est 500 Mikama à gagner sur le serveur Télésia. Donc on lance le tirage et le gagnant c'est... Robin, GG à toi mec pour les 500 000 Kama, s'il te plaît. Si tu vois la vidéo ou bien si tu regardes la vidéo, un peu moins sur le jeu. Je suis souvent connecté. Donc voilà, je vais juste noter ton nom. Copier, on a Fossité 400 000 Kama, Rimverso 5 millions, on a Coplamine 1 million et on a Carté 1 million. Je vais juste mettre votre nom ici. Copier 500 000 Kama. Voilà, voilà les gars pour la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.